Je vais vous dire juste quelques pensées. Bezat Hashem, l'inu nishmat Gaon Hasid Rabbi Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Be'etzem, il y a différents. Nous, c'est pas pour, à nous de faire des spédimes sur des grandes personnalités pareilles, mais il y a une nekuda qu'on ne peut pas ne pas parler. Be'etzem, le Klal Israël se sent maintenant un grand chélek du Klal Israël et tous se sentent touchés. Certains plus proches, certains moins proches. D'avoir perdu un géant de Torah, un géant qui s'occupait du Klal Israël, qui était apprécié et qui était respecté par tout le monde, qui n'existe plus, qui a disparu, qui est monté le Bezdin Shalman et qui nous a laissé seuls. Kamouban, si on va parler sur la gadlout de la Torah, sur la gadlout de Zikou Yarabin, la gadlout de Tzidkout, on ne finira pas cette Nekoudala. Be'etzem, on peut très bien dire celui ce qu'on dit sur le Gdolé Ador, la Mishnah de Pirkei Avot, de Perek Vav. Mishnah Alef, Rabbi Meir Omer, Kol Haosek Betorah Lishma, Zoche Lidvarim Arbe. Et la Mishnah continue, il est Zoche à beaucoup de choses, Velo Adela Shekol Olam Kulo Kedai Ulo, il s'appelle Rea, Ahuv, il est aimé, il est Oev, Oev et Tamakom, il aime Akash Bochou, il aime les Briot. Combien on a vu cette Nekoudala là qu'il était Oev les Briot? Sirut Nefesh, mais sa mère est à ma corps, mais sa mère est à briot. Et la Mishnah continue, Mishnah Bet, le tenet no malchut, ou même shala, avec Hikurdin. Be'etzem, c'est des marchavot très hautes qu'on peut parler. Mais on risque de faire quelque chose, d'abord perdre une grande perte et de l'enterrer avec sa grande perte, en se rendant compte de ce qu'on a enterré et on risque de ne plus l'avoir. Mettons une nekuda qui est très importante de parler, parce qu'on parle des Gdolim, c'est de savoir qu'ils ne sont pas nés des Gdolim. Et qu'ils ont eu, ils se sont disputés, ils se sont battus toute leur vie pour arriver là où ils sont arrivés. Kamouvan, c'est sûr que, lorsque on dit, Tana Devilaudi, Matai, Lolam, Chayav, Adam, Lolam, Matai, Yagiou, Maasai, Le Maasai, Avotai, Avram, Yitzhak, Yaakov, quand est-ce qu'à chaque personne est Chayav de dire, quand est-ce que mes actes arriveront à la hauteur des actes de nos patriarches, Avram, Yitzhak, Yaakov? Ça ne veut pas dire qu'on a une avamina d'arriver à la tzidkout d'Avram Avinu, qu'Akash Bochou va appeler son nom sur nous, comme sur Avram, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Yitzhak. Maintenant, il n'y a pas une avamina d'être aussi grand. Chazal, ils disent que même les Shvatim, ils ne sont pas arrivés à la hauteur d'Avot Akdoshim. Même Prinat Moshe Rabbeinu, il y a certaines écoutes que Akash Bochou a dit sur Moshe Rabbeinu, Chaval al Da'avdin velo Mishtakrin. Maintenant, que l'Avot Akdoshim, c'est l'Avot Akdoshim. Alors, l'Nekouda, c'est d'arriver. De suivre leur chemin, de suivre leur trace et d'arriver à quelque chose qui ressemble un petit peu à Avram Avinu, un petit peu à Yitzhak Avinu, un petit peu à Yaakov Avinu. De la même façon, c'est ma Chazal, ils disent, dans chaque génération, Akash Bokhu, il envoie parmi les tzadikim qui sont là pour élever la génération et pour renforcer la génération. Depuis le moment qu'on est en Galout, Bait Rishon, déjà la Gemara nous dit dans Megillah d'Aflamed Aleph, lo me'astim, lo ge'altim, le chalotam, la fer brititam. Akash Bokhu dit même que je vous ai envoyé en exil, lo me'astim, je ne vous ai pas méprisé, je ne vous ai pas délaissé, lo azaftim. Et Chazan nous dit dans Megillah d'Aflamed Aleph, qu'Akash Bokhu, du temps de toutes les générations, ça remonte du temps de Nebuchadnezzar, qu'il y avait Hanania, Michel, Vazaria et Daniel, que du temps de Chashverosh, il y avait Mordechai et Esther. Et du temps du Trilat Baïs Rishon, du temps de Yavan, il y avait Shimon HaTzadik, les Hashmonaïm. L'Agma continue que dans toutes les générations, Akash Bokhu a envoyé des élites et des géants pour diriger la génération. L'Agma continue à la fin, Vechachme Adorot. Et l'eau, Rabbi, Vechachme Adorot. Donc l'Agma conclut qu'en fin de compte, on a une haftacha, on a une promesse d'Akash Bokhu, que même dans l'exil, la profonde exil, il y aura toujours, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, et ce qui se passe encore aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'Akash Bokhu nous a dit, nous abandonnera jamais, et toujours on aura des géants de Torah qui nous éclairent. Et ça, on peut voir des générations, comme elle dit, ou Vzarach Hashemesh, ou Ba Hashemesh, bien sûr qu'il n'y a pas, la génération diminue, mais pour chaque génération, il y a ces Gdolim qui sont là pour diriger la génération. Et on a une avtacha d'Akash Bokhu, l'oti shakach mi pizaron, on aura toujours cette tzadikim là. Donc, dans cette avtacha, la Gemara nous dit, les Chazal nous disent, Ra'a Akash Bokhu, Akash Bokhu a vu que les tzadikim, ils sont peu nombreux. C'est-à-dire, Akash Bokhu, il a créé un monde pour 6000 ans,
Et dans ces 6000 ans, il y a beaucoup de neshamot qui vont arriver. Et parmi ces neshamot qui vont arriver, il y aura quelques tzadikim, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de tzadikim. Que les tzadikim sont peu nombreux, Akash Bohu les a éparpillés dans toutes les générations. C'est pour ça qu'on voit des fois des géants de Torah qui n'ont aucun rapport avec la génération. Si on veut se comparer, on n'a aucun rapport avec la génération, parce qu'en fin de compte, Akash Bohu a envoyé un géant de Torah des générations d'avant pour éclairer notre génération. Donc, de dire que même si on va apprendre la vie de Rav Ovadia Yosef, on va dire on va devenir un matmid comme lui, ou Yegiat HaTorah comme lui, ou Avat Israël comme lui, ou Mesirut Nefesh comme lui, Vadei, comment va arriver? Akash Bohu, il a eu Rachmanout sur ce dor-là, sur ces dernières générations, il a envoyé des Gdolim, et parmi eux, il y avait Rav Ovadia Yosef qui a éclairé le clan d'Israël. Et nous, on ne peut pas dire qu'on va être, nous, éclairer le clan d'Israël de cette façon-là. Parce que nous sommes, chacun que Akash Bohu lui a donné ses Kelim. Chacun que je pourrais donner son potentiel et ses qualités. Ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il a utilisé tous ses kélim. C'est ça qu'il faut parler. Souvent, les gens demandent pourquoi de nos jours il n'y a plus de gdolim. Pourquoi de nos jours, même les gens, c'est Yadoua qu'avant la Shoah, ceux qui rentraient dans les yeshivot en Lituanie, la grande majorité sortaient des géants de Torah. Mais ce n'était pas des gdolé Adam, ce n'est pas les plus grands de la génération, mais ils étaient tous des gens au-dessus de toute la masse des gens. Alors qu'on sait que beaucoup de gens étudient de nos jours, mais on ne voit pas toujours la différence entre quelqu'un qui étudie, et on ne voit pas la tzidkout ou la chokhma autant qu'avant. Qu'est-ce qui dérange? Pourquoi ça se fait qu'il y a tellement de gens qui rentrent dans les chiot, on ne sort pas tellement de gdoli, on ne sort pas tellement de tamid de chachamim ou flagim, des gens qui sont bakib et dalet chachamim ou des roches chivat qui sont très... des marbitset Torah. Malheureusement, il faut aller chercher les marbitset Torah. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose, c'est ça qu'il faut se rappeler. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, les géants de Torah, ils sont sortis parce qu'ils avaient les kohot de géants de Torah. Ils avaient leur prira. Il y a un midrash qui est dans Kohelet. Takol asa yafe beito. Le midrash nous dit comme ça. Akash Bohu, il a fait toutes choses en son temps. Akash Bohu, il a créé le monde avec Adam Arishon et pas Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que même Avraham Avinu, qui avait un potentiel extraordinaire, il avait aussi des nisyonot extraordinaires. Il avait aussi devait travailler. Il avait des tzara très forts. Il a dû se battre. Il dit, Akash Bohu, il a dit, si je vais envoyer Avraham Avinu en premier, je vais créer Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il risque de trébucher. Personne ne pourra venir après lui et relever le monde. C'est pour ça qu'Akash Bohu, il a créé le monde avec Adam Arishon. Que même si Adam Arishon, c'est ce qui s'est passé, il a fauté. Donc il a baissé la madriga de tout le monde entier, de l'univers entier. Est venu Avraham Avinu avec ses descendants et il a remonté l'univers vers Akash Bohu. Donc on voit que même Avraham Avinu, il y avait une place où c'est qu'il devait être. Même quand on dit Akash Bohu, il a créé le monde Bei Baram, Bisrut Avraham Avinu, mais Avraham Avinu n'est pas né tout de suite. Parce que Akash Bohu, il est recouvert de Moshe et il envoie chaque tzaddik dans la génération qui doit arriver. Mais par rapport à nous, ce que nous on veut savoir, c'est qu'il faut être sincère dans son avoda. Chacun, il a ses kelim, chacun a ses conscients intellectuels, chacun a ses kohot. De combien il peut dormir, moins dormir, manger, plus manger. Chacun, il a ses besoins de donner à son corps certaines choses. Chaque Jbohu a créé chacun avec un tafkid spécial. Mais la nekuda, c'est justement cette nekuda-là. Combien un géant comme ça a pu utiliser sa Torah, a pu utiliser ses kohot, s'il n'avait pas utilisé ses kohot, il serait devenu un épicier ou un commerçant de fruits et légumes, comme ses proches. À partir de l'âge de 8 ans, il a commencé à apprendre la Torah. Et il a étudié la Torah Batmana, Mesirut Nefesh Mamash. Qui a dû à la Mesirut Nefesh qu'il a étudié, qu'il n'avait rien à manger pendant des années, il n'avait rien à manger. À la maison, chez eux, ils étaient très pauvres. À tel écart que son père l'a voulu reprendre de la Yeshiva de Porat Yosef, parce qu'il avait besoin d'un commerce, il avait besoin de quelqu'un qui l'aide dans son. Il vendait des fruits et légumes. Alors, Ezra, tiens, il a payé à son père, il a dit, tiens, je te paye, c'est Chaval, de perdre une tellement grande élite du clan d'Israël, je te paye un employé, mais tu laisses ton fils à la yeshiva. On voit déjà les rabbanim, déjà, lorsqu'il était jeune, ils ont compris qui c'est qui était. Il y a une autre histoire qu'on raconte aussi, lorsqu'il est revenu, je ne sais pas si c'était lorsqu'il est jeune marié, avant qu'il parte en Égypte, ou après qu'il est revenu d'Égypte, qu'il était yadoua, il venait au Beta Knesset et il disait, voilà, je fais Akhnasat Kala. Je ramasse d'argent pour Akhnasat Kala. Donc, les gens lui donnaient un peu d'argent, il n'avait pas tellement d'argent, il donnait de l'argent pour Akhnasat Kala. C'est une grande mitzvah, Akhnasat Kala. Un mois plus tard, il revient de nouveau, fait de l'argent pour Akhnasat Kala.
Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on lui demande, c'est qui cette Kala? Il dit, moi je veux me marier avec la Torah, j'ai pas d'argent. Pour me marier avec la Kala, j'ai besoin d'avoir d'argent, je vais à Khnasat Kala. Ça c'est Messirut Nefesh. Comment il a été dans le Doha, qu'il a pu continuer, il a pu faire énormément de choses. Toute sa vie, il était Messirut Nefesh. Et c'est ça ce que nous allons apprendre de lui. Badaï qu'on n'a pas les kelim que lui il avait. Mais avec nos kelim à nous, si on ne va pas peiner, si on n'est pas prêt à étudier, lorsque ça va pas tout juste, nous on a envie de faire la Avodat Hashem lorsque ça va. Dès que ça ne va pas, on n'est pas en forme, on est fatigué, c'est fini, on baisse les bras. Là, ça, on ne pourra jamais arriver, personne ne pourra arriver à son potentiel. La Nekuda qu'on doit apprendre de cette tzaddik, c'est justement cette Nekuda-là. D'aller au-dessus de ces kohot. Le Netziv, dans Zot HaBracha, il explique c'est quoi le lien de chassid. La bracha que Moshe Rabbeinu a donné au Shevet Lévi, il a donné des brachot extraordinaires. Il a dit, Tumecha veurecha leish chassidecha. Donc tu as donné Tumecha veurecha, il y en a qui disent de Rim vetumim, leish chassidecha. Chassidecha, on parle sur c'est Aaron HaKohen, Asher nisito bemasa, terive ou alme meriva, a omer la aviv ou limo, qui dit à son père et à sa mère, lo reitiv, ben banav le yada, ki shamru yivratecha, britecha yinsoru. On voit que Moshe Rabbeinu l'a considéré le inyan du Shevet Lévi chassid. Quel est l'inyan de chassidout? Alors le Netziv il explique, mais cette charim explique que chassid c'est celui-là qui fait chaque chose le mal au-dessus du din, qui est machmir dans chaque chose et qui rejette toutes les chitotes. Lui il va dire le Netziv à notre pshat. Et ça on a vu que Be'etzem, Be'mesher tous les dorot, qu'on appelait Agon, chassid, justement c'est les Gdolei Israël. Qu'on a vu cette Nekuda-là. Il est marich, le Netziv, mais le Nekuda du Chassid qui dit le Netziv, c'est de quelqu'un qui va au-dessus des kohot normales de quelqu'un là. Alors il explique ça par rapport à Aaron HaKohen, qu'Aaron HaKohen, il y avait des matzavim qui étaient très très difficiles pour Aaron HaKohen. Et Aaron HaKohen, il a su montrer un courage, une force extraordinaire lorsque ses deux enfants sont niftarim et qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il dit ici, si des enfants, ils meurent, il y a des enfants et des descendants, il y a une suite. La dame a vu qu'ils n'avaient pas de suite. Et ils sont niftarim, et Aaron HaKohen, il a été mekabel, va idom Aaron. Ça, c'est Ishtam, Hashem Nisito Bematza. Et d'autres choses comme ça. Il dit, un autre nekuda encore de Messirut Nefesh pour les mitzvot, pour le Korach HaTorah. Ça, c'est chassid. La midat ha-chassidut, c'est une faire au-dessus des kohot. Chacun, il a son midat de chassidut. J'ai entendu une fois de la Baron Leib Steinman, qui a dit, on dit toujours dans la Shmoneh Esrei, à la tzadikim, à la chassidim, sur les justes, à la chassidim. Et sur les tzadikim, c'est les justes. Les chassidim, c'est encore plus. Ou bien on dit aussi dans la tfila de Rosh Hashanah Yom Kippur, V'chen ten kavola shel amecha. V'chen tzadikim iru ve'ismachu. V'isharim yalozu b'chassidim. Berina yagilu. On parle toujours de chassidim. Ou bien dans le Shochen Ad. C'est quoi le lien de tzadikim et chassidim? Et d'ici, des fois, on veut nous comparer aux générations d'avant. Est-ce que de notre génération, on a des tzadikim et des chassidim que les générations d'avant? On n'a pas des tzadikim et des chassidim que les générations d'avant. Le Rav Volbe Zatzal, il a écrit dans le Sefer HaLeshur de dire qu'on peut arriver à des dargot de shlemut comme on avait avant. C'est difficile de dire qu'on peut croire de nos jours qu'on peut arriver à ces dargot-là. Le monde n'a plus les kelim pour arriver à la shlemut de Chofetz Chaim ou d'autres tzadikim. Mais chaque génération, il a sa shlemut. C'est ce qu'il a dit à Baron Epstein, Shlita. Il a dit, les tzadikim et les chassidim, c'est proportionnel. Chaque génération, son tzadik et son chassid. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas les Gdolei Hador, qui sont des tzadikim, mais ils sont des chassidim. Pourquoi? Parce que dans leur Avodat Hashem, ils sont des chassidim. Ils font l'ifni mishurat adin, ils vont au-dessus du din, ou bien ils se surmènent au-dessus de leur kohot. Ça, c'est les chassidim. Et c'est cette nekuda-là qu'on peut être mitrazek. De cette tzadik, c'est une nekuda de chassidut dans la Avodat Hashem. De chassidut dans la Torah. De même, c'est difficile. Bechozot, il a continué. Il a été Moser Nefesh. Et ça, c'est une chose que chacun peut avoir. Si on étudie la Torah toute la journée, on en a mis de chassidut, c'est toute la journée. Si c'est un seder, alors c'est un seder. Si c'est le shiur d'Afayomi, si c'est un shiur par semaine, peu importe. À ce seder-là, de le faire, bechol akochot kulam. Il y a une histoire qu'on raconte. Qui s'est passé dernièrement, un vendeur de Machane Yehuda, il allait toujours au Shiur d'Afayomi,
le soir, en fermant sa boutique, à 7 heures du soir, il allait au Shiur Daf Yomi. Il arrivait au Shiur Daf Yomi, à 7 heures, il s'effondrait devant la Gemara. Il ne dit pas la Gemara. Les gens lui ont dit, c'est Chaval, tu fais tellement Messirut Nefesh d'arrêter, fermer ta boutique, tu vas à 7 heures au soir, faire la écouter Daf Yomi, mais tu n'as plus les forces d'écouter. Tu sais, à côté de Bachane Yuda, il y a une choule qui s'appelle Zohar Chama, Zohar Chama. Là-bas, il y a un Shiur Daf Yomi entre midi et une heure. Tu peux aller là-bas. Top. Effectivement, il a mis son employé à parler lui. Entre midi et une heure, il allait, une heure, deux heures, il allait écouter Daf Yomi et Be'etzem, il ne s'entendait pas à Baruch Hashem. Au bout de quelques jours, il retourne au Shiur du soir. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux retourner au Shiur du soir? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, jusqu'à présent, mes enfants, ils voyaient que je revenais et que j'étais fatigué. J'avais plus de force et je me forçais à aller au Shiur Daf Yomi. Ils avaient un limoud que la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut faire la Torah même avec Messirut Nefesh. Il dit, c'est vrai que maintenant, le Shiur Daf Yomi, entre midi et une heure, je l'éclaire. Mais ce messer-là que je donne à mes enfants de faire Messirut Nefesh pour la Torah, ça, ils ne l'auront plus. On voit que cette nikouda de Messirut Nefesh, et c'est ça, toutes les générations qu'il y avait avant, peu importe, c'était les grands sadikim, les Gdolé Olam, pas les Gdolé Olam. Les gens qui sont plus simples, moins simples. Quelle était la nikouda qui a toujours fait des gens par excellence? La Messirut Nefesh, d'aller au-dessus des kohot. C'est pas dire qu'il faut se tuer, mais de ne pas baisser les bras tellement vite. C'est ça, et c'est là où on peut arriver. Une des choses qu'on peut être mitrazek, que ce soit l'ilou nishmat à Ravavad Yazatzal, c'est cette nekuda-là, de ne pas se laisser abattre. Combien de fois on a envie d'étudier, il n'y a pas le khéchek, c'est difficile, on est fatigué. Alors quoi, on fait un agmar, on va se promener? Non. De toute façon, si je ne vais pas étudier, je ne vais rien faire d'autre. Alors au moins étudier. Bien sûr qu'il y a Benazmanim, c'est le soir, c'est autre chose, mais je parle pendant le seder. Enfin, on ne va pas venir étudier parce qu'on est fatigué. On se force. Et si on se force, je peux vous dire une chose, que si on se force dimanche, lundi, il y aura une Siyata d'Ishmael spéciale. On n'a jamais vu quelqu'un qui a forcé un jour, le lendemain, il n'a pas une Siyata d'Ishmael spéciale. Parce que la Torah, comme dit le Chofetz Chaim, « Pam echad betzahar, mi mea pamim shelo betzahar. » Le Chofetz Chaim nous rapporte la Lashon de Chazal. Une chose qu'on fait betzahar, qui est difficile, avec les efforts, ça vaut plus, Bachamay, on recevra plus de srar que sur 100 fois qu'on a fait 100 tsar. On ne sait pas, des fois, combien un homme il veut devenir un Tamid Chacham. Chacun, le Tamid Chacham l'attend au coin de la rue. Mais où il attend au coin de la rue? C'est lorsqu'il arrivera à étudier, même lorsqu'il n'arrivera pas, il verra après une Siyata d'Ishmael extraordinaire. Si quelqu'un, il est toujours... Torah, moi je fais autant que je peux, mais je ne fais jamais un peu plus. Mais voilà, alors tu resteras comme tu es. Comment est-ce qu'un homme peut changer? C'est lorsqu'il se surmène. Et il n'y a pas de chokhma. Tous les Gdolé Israël, tous les tzadikim se sont surmenés. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout le temps se surmener, mais il y a des dergots dans le se surmener. Mais la nikouda, c'est de rajouter déjà un peu plus. C'est vrai que je suis fatigué. C'est vrai que j'ai envie de partir au milieu de la tfila. Chodot, je me force aujourd'hui. Chodot, je ne veux pas montrer un mauvais exemple d'enlever les tfilines avant les Noun et Shabéar. Je ne veux pas enlever les tfilines avant de voir les Tzion. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire un mauvais exemple, parce que chez moi, je le fais, d'autres le feront. Les mitzvot qui viennent avec difficulté, c'est ça qui nous fait grandir. Les mitzvot qui viennent facilement, ça ne grandit pas. J'ai vu une fois, on rapporte un nom du Stipeler, Zatzal. Quelqu'un est venu dire au Stipeler, il a dit, j'arrive pas toujours à étudier, c'est pas toujours facile. J'ai pas toujours échec, j'ai pas toujours envie d'étudier, j'ai pas toujours la force d'étudier, j'ai pas toujours le punch d'étudier. Il a dit le Stipeler, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir dans le Olam Hazeh, Olam Haba? Tu vas avoir Gan Eden dans l'Olam Hazeh? Depuis quand on attend d'avoir le Gan Eden dans l'Olam Hazeh? Tu vas avoir le paradis sur terre? L'Olam Hazeh, ce n'est pas un paradis. L'Olam Hazeh, c'est Olam Haishtadlut. C'est l'Olam qu'il faut travailler. Des fois, que je bochoune, donne des Baruch Hashem. Beaucoup de fois, que je bochoune, donne des Siyata d'Ishmaïa. On a la tête claire, on a des Chidushim, on a beaucoup de choses qui sont extraordinaires. Pas toujours ça va. Et c'est ça, ce Nekuda qu'il faut se rappeler. Olam Hazeh, ce n'est pas le paradis. Et même si ça va, même si un jour on a marché, le lendemain ça ne vient pas difficile, de nouveau, on continue. Et si 10 ans, 20 ans, regardez ce tzadik-là, 85 ans, il en dit son enfant. 85 ans, il a étudié Be'atmada. Ça, c'est une nekuda qu'on peut apprendre de lui. Une autre nekuda qu'on peut apprendre, c'est la inyan de Messirut Nefesh pour la Havat Israël, pour le clan Israël. C'est une nekuda qu'on a besoin beaucoup de s'investir. La Messirut Nefesh pour le clan Israël commence par sa propre famille. Des fois, on est prêt à faire du chesed en dehors, mais à la maison, ça nous demande beaucoup d'efforts, on n'est pas prêt à le faire. Et là, ça commence par là. La Messirut Nefesh commence par la famille. C'est-à-dire quoi? De faire, même si on n'a pas la force. J'ai une fois entendu un Tamid Chacham qui a dit,
On a étudié toute la journée, on a étudié toute la journée au collège. On est fatigué, on est las, on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on va dire? On fait un visage de croque-mort. On dit, mais qu'est-ce que ta femme ne mérite? Ta femme, elle a un seul mari. Mais c'est ce que ta femme te mérite, elle te laisse aller au Beit HaMidrash, elle te laisse aller là et tu reviens avec une tête de croque-mort. Force-toi, oublie-toi, rentre à la maison avec le sourire. Et il a qui rajouter, rentre à la maison, embrasse ta femme, tu dis, voilà, va te coucher, moi je m'occupais des enfants. Peu importe, la nikuda, vivre au-dessus de sortir de son propre ego. Et c'est ça, c'est cette mesirut nefesh qu'on a appris chez Rav Ovadia, qui est extraordinaire. Si quelqu'un m'a dit, j'ai un Talmid Chacham, il m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, si on allait psychologue, allait lui dire, cet homme-là, il est un génie dans quoi? Il est un génie d'écrire des sfarim. Il a des sfarim extraordinaires. Toute la Torah. Il dit, mais est-ce que lui, il va aller faire du zikou et rabim? Marie Seyadoua, il avait honte, il était un baïchan. Mais non, il s'est forcé, il a fermé sa gemara, c'était comme ils ont raconté. Il a fermé sa gemara pour les autres. Parce qu'il savait qu'il y avait besoin pour le clan d'Israël, il avait besoin de faire pour les autres, il avait besoin de faire Zikou Yarabim. Qu'il y a 40 ans, 50 ans, il allait le Shabbat seul, il préparait son Shabbat, il laissait sa famille seule, il allait d'un moshav, d'un kibbutz à l'autre, un moshav à l'autre, et il allait Shabbat avec donner des shiurim. Pour être mechazek, quelqu'un m'a dit, c'est quoi ces shiurim? C'est pas qu'il était mépalpel dans la Yabia Omer. Il leur donnait des sipourim et des massim. Ici, j'ai là un petit peu d'alakha. Mais c'est une nefesh pour le klal. Mais c'est une nefesh pour l'avat Israël. Ça, c'est une nekuda qui nécessite beaucoup de chizouk. De penser aux autres. Ça, c'est tous les gdolei Israël. Le Rav se rapporte au nom de Rav Shach Zatzal. Il lui a dit, ça, c'est une chose. Il n'y avait pas un gadol b'Israël. Quelqu'un qui était un géant du klal Israël. Que son ben Adam Nachavero n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas possible d'avoir un Talmid Chacham, que son ben Adam Nachavero, il est pas comme il faut. C'est-à-dire le Talmid Chacham, le ben Adam Nachavero du Talmid Chacham doit être à la hauteur de son limoud. Plus il est un géant en Torah, plus son ben Adam Nachavero doit être plus grand. Parce que si son ben Adam Nachavero, c'est de quelqu'un de 20 ans, et son limoud, c'est de quelqu'un de 50 ans, il y a un déraillage ici. Il y a un dérapage. Arrête, la Torah dit, le Chazal y rapporte, « L'onit na Torah, elle est tzarev vaim et abriot. » Toute la Torah a été donnée pour être metzarev, pour assimiler, pour mettre toutes les briotes ensemble. Et c'est ce qu'on dit, « Talmide chachami marbim shalom ba'olam. » Parce qu'un talmide chacham amiti, il est marbim shalom ba'olam. La Gemara dit dans Yuma, un talmide chacham qui est massa oumatonum abriot et qui se conduit comme il faut et qui fait attention de respecter les autres. Qu'est-ce que les gens ils disent? Ashre aviv shalom de Torah. Ashre rabo shalom Torah. Val alav afartuv omer. Amarti Israël avdi asher bechait par. Mais si chas v'shalom l'an tamit chacham. Mais on ne se conduit pas comme il faut. Qu'est-ce que les gens disent? Oui. Chas v'shalom c'est un chilul Hashem. Et c'est ça ce qu'on peut voir dans ce tzadik là qu'il avait les deux nekulot à la fois. Autant qu'il était un tamit chacham. Il avait une guia v'amal batora qu'on ne peut pas comprendre. Au-dessus de nos kochot. Mais son ben Adam l'achavé était extraordinaire. Son tsar pour les autres. On pouvait l'appeler là où on voulait, quand on voulait. S'il y avait quelqu'un, un yid, à Be'er Sheva ou à Eilat, peu importe, il avait besoin d'un zikou yarabim, il était prêt à venir, fermer sa gemara, aller là-bas. C'est ça la nekuda qu'il faut être mitrasek, cette nekuda. La nekuda d'être prêt à être moser nefesh pour les autres, de sortir notre égoïsme et d'être donné le plus chaviv. Ve'afta et Hashem elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol meodecha. C'est marqué dans les Sfarim qu'un homme il doit aimer à Kajbohu encore plus avec les choses les plus précieuses. Un Talmid Chacham de cette calibre, qu'est-ce qui était le plus précieux à ses yeux? C'est la Torah. Encore un daf de Gemara. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, va'afta et Hashem Elokecha, il a aimé Akash Baruch Hu, il a aimé le Klal Israël. Au-dessus, il était prêt à être Moser Nefesh, fermer sa Gemara, fermer son Limoud pour aller le Klal Israël. Et ça, c'est une Nekuda qui nécessite beaucoup de Chizouk, de penser aux autres, d'être plus, de réfléchir par rapport aux autres, d'être Mishtatef Vetzaram Shalacherim et d'aider les autres. Mais une Nekuda encore plus forte. C'est la nekuda de penser aux autres dans la ruchniout des autres. On ne nous demande pas toujours, pas tout le monde est capable d'aller faire du zikou yarabim, et pas tout le monde de faire du zikou yarabim. Comme nos chazal nous ont toujours appris, les bisrout, la Torah qui est étudiée intègrement et d'une façon constante au Beit HaMidrash, dans les kolelim, c'est bisrout zé qu'il y a beaucoup de gens qui sont chazrim bitchouva, parce que le koach du klal Israël, c'est la Torah. Alors, il y a différentes façons d'être mezaké yarabim. Il y en a qui vont. Ils vont faire un rachim, ou d'autres personnes, d'autres les Lubavitch, ou d'autres personnes, ils vont d'un endroit à l'autre. Il y en a d'autres que leur zikou yarabim, c'est d'étudier la Torah qui est douée.
La Gemara nous dit dans la fin de Pérama de Kiddushin, celui-là qui dit la Torah, Tov la Shamaim ve Tov la Briot. Parce que sans la Torah, il n'y aurait pas de Kiyum HaOlam, il n'y aurait pas de Srut Klal Israël. Tout vient de la Torah. Alors, au moins, lorsqu'on étudie la Torah, de penser que la Torah, elle va être pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour donner le Srut Klal Israël. Lorsqu'on étudie la Torah, pas seulement penser à nous. J'ai entendu d'un Talmid Chacham qui a dit au nom du Mashgiach de l'Eikud de Rav Nosson Wartfeigel Zatzal, il a dit qu'un avrer qui étudie la Torah, il doit se dire, il y a dans le Klal Israël, ça c'est un bat kol qui sort chaque année dans le Klal Israël. Le Klal Israël a besoin d'un Talmid Chachamim. Le Tzibour francophone a besoin d'un Talmid Chachamim. Et à chacun de vous de dire, moi je veux devenir ce Talmid Chacham du Tzibour francophone. Moi je veux devenir ce Talmid Chacham du Klal Israël. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rentre. Almenat le lamed, il a notre siyata d'Ishmaïa. C'est quelqu'un qui dit, moi je vais étudier. Moïka pour moi c'est étudier. Je n'ai pas besoin de faire des zikur arabim. Je n'ai pas besoin d'être mes lamed Torah aux autres. Je n'ai pas besoin d'apprendre la Torah aux autres. Je n'ai pas besoin d'être mes zakar arabim. Alors très bien, on lui donnera la Torah. Mais almenat Torah, almenat le lamed, maspikin de l'imod lamed. Almenat la asot, d'être mes chazek les autres. Maspikin de l'imod lamed, ishmaïa de la asot. Et la Torah, un vrai, quand tu as toujours appris à la yeshiva, j'ai entendu Mashgiach, Ramatitiaou, Chaim Salomon, Shlita. Il avait nous disait que lorsqu'on était Bachur Agetz, il nous disait, sachez une chose, maintenant, vous êtes jeune, vous avez 16 ans, 18 ans, 20 ans, mais vous devez savoir que votre Torah maintenant, elle sera différente si vous étudiez la Torah pour la donner plus tard à d'autres générations, ou si vous étudiez Stam, étudiez pour étudier. Même un Bachur, un vrai, un jeune avrer, même qu'il n'a pas l'intention de sortir dans le Klali pour faire des Zikur Rabim, ou d'être un Magid Shiur, ou d'être, peu importe, de faire des Shiurim, mais il doit savoir que le limoud qu'il fait maintenant, c'est un limoud qu'il fait pour le Klal Israël. Quelqu'un qui étudie pour le Klal Israël, alors il a une autre siyata d'Ishmaïa, il a le siyata d'Ishmaïa du Rabim. Ça, c'est une nekuda aussi qu'on peut apprendre, cette nekuda-là, d'étudier la Torah, Bishman, Zikouya Rabim. La propre Torah, c'est les Zikouya Rabim. Une autre nekuda encore qu'il faut être mitrazek, c'est Nyan Betfila. Dans la Tfila, ça, j'ai entendu plusieurs fois de Ravol Bezatzal. Il a dit, il rapportait un gaon au début de. Troisième ou quatrième pérec de Brachot, il dit un homme n'a pas le droit de faire une tfila à penser que pour lui. C'est sûr que des fois on n'a pas les forces en dame pour soi, c'est sûr qu'il ne faut pas d'âme pour soi. Les Chazan nous ont donné de la place, Elokainetzor, tu peux te marier autant de temps que tu veux, tu peux d'amener sur toi tout ce que tu veux. Dans Shema Kolum, tu peux d'amener. Mais lorsque tu dis Atachonen, lorsque tu dis Ashivenu, lorsque tu dis Slachlanu, Refaenu, pense au Klal Israël. Il dit, si quelqu'un, la tfila était donnée pour prier pour le Klal Israël. Un homme qui n'a une Torah route. Je vous dis juste une Torah route simple, très simple. Quelqu'un qui a vu le Tzibour qui est venu à la Levaya. 850 000 ou 1 million de personnes qui sont venues. Alors, ce n'est pas tous des gens qui sont intègres dans la Torah. Mais c'est des gens qui ont marché de la Torah, des gens qui veulent se rapprocher de la Torah. Des gens qui ont de la Emouna. Pourquoi le prochain final, lorsqu'on dit Ashivenu, avinu le Torah Techa, on ne va pas penser à ces 850 000 personnes et tous les autres qui ne sont pas venus, qui n'ont pas été zochés de comprendre qu'eux, ils sont Choser Bitshuva. Vachazirenu Bitshuva Shelem Alefanecha. Pourquoi pas prier sur eux? Et c'est ça, c'est une Nekuda qu'il faut être mitrazek. Donc on a parlé de trois choses. La première Nekuda, c'est lien de Mesirut Nefesh pour la Torah. Mesirut Nefesh, c'est chacun son niveau. De faire toujours un peu plus que ce qu'on peut. Et après, il y a cet Hashima qui vient. Deuxième Nekuda, c'est que. L'ignan de Torah pour le rabbin. Que ce soit de donner des shiurim, ou que ce soit même d'apprendre pour pouvoir donner aux shiurim, pour pouvoir être mezakeh rabbin. Ou de savoir que la Torah qu'on a, elle est mechaye le klal Israël. Bien sûr, il ne faut pas s'oublier. Mais de savoir que la Torah, c'est pas seulement. Je ne suis pas moi, je dis la Torah. Et le klal Israël me donne la chance de. Tous les gens qui soutiennent la Torah, ils donnent la chance, parce qu'ils comprennent que l'élite de la Torah, l'élite, c'est ceux qui étudient la Torah. Et ils nous donnent. Les kelim, la possibilité d'étudier la Torah. Et ça, il faut le remercier. Mais c'est une chrayout. Et troisièmement, la Nicolas, de prier pour le Klal Israël. Et si, Bezat Hashem, on est mitrazek dans ces trois choses-là, as Bezat Hashem, le tzadik, il ne va pas être nevad, il va avoir l'inu nishmato, Bezat Hashem, on est tous mitrazek dans ces malheurs.